وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد serviteur d'Allah. Allah nous a créés pour son adoration. Seul, il a dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour qu'ils m'adorent exclusivement. Et il a fait de cette terre une vie d'épreuves et de difficultés. Et il a créé la mort et la vie pour nous éprouver et pour voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Comme il a dit dans Surat al-Mulk, dans le sens des versets, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour voir, pour vous éprouver et voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Et subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve par la richesse, par la pauvreté, par la santé, par la maladie, par la sécurité, par les troubles, par l'insécurité, par la tranquillité, par la peur. Allah ta'ala éprouve ce serviteur par ce qu'il veut. Et il nous a fait les uns pour les autres une épreuve. Et nous a ordonné de patienter, subhanahu wa ta'ala, dans son obéissance. Ceux qui réussiront, c'est ceux qui, en toute situation, resteront constants, fermes sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait prévenu que des tentations et des épreuves et des troubles allez toucher cette communauté, plus sombre les unes que les autres, plus sombre que la nuit noire. Au point même où quelqu'un se réveille le matin croyant et se couche le soir mécréant, ou bien se couche le soir croyant et se réveille le matin mécréant. Tellement les troubles, ils sont grands. Il vend sa religion pour un bien éphémère de ce bas monde. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué comment agir et nous a encouragé à se tenir à l'adoration et à se dépêcher de faire les bonnes actions avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'on en soit empêché par des difficultés, par des tentations, par la maladie, par quoi que ce soit. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'adoration d'Allah au moment des troubles, c'est comme le fait de voyager vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire la hijra vers lui. Et Allah ta'ala nous a encouragé à cette constance dans l'adoration. Et il a dit dans plusieurs versets, il a ordonné dans plusieurs versets d'être constant. Et il a dit dans le sens des versets, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis qui ont pris le chemin de la constance, de la rectitude. Les anges descendront vers eux en vagues en leur disant « N'ayez crainte et ne soyez point affligés. Et réjouissez-vous de la bonne nouvelle d'un paradis qui vous avait été promis. » Qu'Allah nous fasse partie de ces gens-là. C'est pour cela que j'ai choisi de parler dans ce prêche du vendredi de la plus importante des adorations en islam, du deuxième pilier parmi les piliers de l'islam, de l'œuvre la plus importante en islam après les deux attestations de foi, de cette adoration énorme qui a été les dernières recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est sur son lit de mort. La salat, c'est le pilier de la religion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par Tirmidhi, la tête ou bien la base de toute chose est l'islam, et son pilier est la salat. La salat, comme nous l'avons dit précédemment, elle vient dans l'importance juste après les deux attestations de foi. C'est-à-dire juste après l'entrée en islam, il n'y a pas quelque chose de plus important dans les œuvres que la salat. Elle fait partie intégrante de la foi. Car Allah Ta'ala l'a appelée la salat, elle iman, iman. Certes Allah ne vous ferez pas perdre votre iman. Et ici, les mufassirines, les exégèses du Coran, ont dit, ça veut dire la salat. Allah va préserver votre salat, ne va pas vous faire perdre votre salat.
Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a été bâti sur 5. L'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager, d'accomplir la salat, de donner la zakat, de faire le pèlerinage à la maison sacrée et de jeûner le mois de Ramadan. Accomplir la salat, cela veut dire la faire dans ces moments déterminés, l'accomplir en préservant tous ces piliers, toutes ces conditions de validité, ces piliers, ces obligations, et de ne pas la négliger. La salat, elle a une place et un degré spécifique en islam par rapport à toutes les autres adorations et tous les ordres de l'islam. Car tous les ordres religieux ont été révélés par Allah et descendus sur terre. Mais la salat n'a pas été révélée sur terre. Allah Ta'ala a fait voyager le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers le Quds, puis lui a fait faire l'ascension nocturne, l'ascension pour lui donner l'ordre de la salat dans le ciel. Tellement cette adoration est importante en islam. Dans le ciel. La salat, elle est la cause d'effacer les péchés. Les petits péchés que l'on fait entre chaque salat. Alors que les grands péchés nécessitent un repentir sincère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, dans le sens de ses paroles, voyez-vous si l'un de vous avait un fleuve qui coule devant chez lui et qu'il s'y lave dedans 5 fois par jour. Est-ce qu'il lui resterait quelque chose de saleté sur lui? Les sahaba disent, nous disons non au messager d'Allah. Il ne lui resterait aucune saleté. Il a dit, voici l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah efface les fautes. La salat, c'est la dernière chose qui part et la dernière chose qui est délaissée de la religion de l'islam, quand elle part complètement, alors il ne reste plus d'islam authentique chez la personne. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en a fait un signe évident de différence entre le croyant et le non-croyant. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a le fait de délaisser la salat. Et il est venu dans plusieurs hadiths authentiques, que la dernière chose qui partira de la religion, c'est la salat. C'est pour cela qu'il est nécessaire aux musulmans de préserver la salat, de ne pas être fainéant et de se laisser prendre par la fainéantise ou par des affaires ou par des occupations en délaissant cette obligation pour laquelle Allah l'a créée. Car Allah tabarak wa ta'ala a mis en garde de réprimander ceux qui négligent la salat. Que le malheur soit pour les prieurs. Comment? Malheur aux prieurs. Ceux qui négligent leur salat. Qui ne la font pas à l'heure. Qui ne la font pas correctement. Qui ne la font pas selon les obligations comme il faut. Etc. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de ces gens qui ont succédé. Il leur a succédé après eux une mauvaise succession qui ont négligé la salat et qui ont suivi leur passion. Ils vont trouver à cause de cela perdition et malheur, dans le sens des versets. La salat, c'est la première chose parmi les œuvres sur laquelle on sera questionné le jour du jugement dernier. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith de Abi Huraira, hadith rapporté par An-Nasa'i et Tirmidhi, qui est un hadith sahih, la première chose sur laquelle sera questionné le serviteur le jour du jugement dernier parmi ses œuvres sera la salat. Si elle est correcte, il aura certes réussi et gagné. Si elle est corrompue, il a perdu, il a été négligé, délaissé. Mais s'il manque quelque chose, ou il venait à manquer quelque chose dans les obligations, alors le Seigneur Azzawajal dit, regardez, est-ce que mon serviteur a des prières surérogatoires? Comblez avec ces prières surérogatoires ce qu'il y a comme manque dans la prière obligatoire. Et il sera fait de même pour toutes les autres adorations. Ce qui montre l'importance de préserver la salat et l'importance de combler le manque qu'on a pu avoir dans les obligations par le fait de prier les prières surérogatoires avant les obligations, après les obligations, la nuit,
La journée, toutes les prières, salat al-duha, que ce soit salat tahiyyat al-masjid, la sunnah des ablutions, ou bien la salat al-duha, ou les rak'at à faire avant le dhuhr, avant l'asr, après le dhuhr, avant l'asr, après le maghrib, après l'isha, les prières de nuit, les différentes prières surérogatoires qui viendront alourdir la balance des bonnes actions, combler le manquement qu'il y a eu dans la salat obligatoire. La salat, Allah a ordonné de la préserver en toute situation. Dans le voyage, il y a la salat du voyage. Quand on est citadin, quand il pleut, quand il neige, quand il vente, dans la guerre, dans la sécurité, dans la santé, dans la maladie, le croyant ne délaisse jamais la salat. Pour chaque situation, il y a une manière de faire salat. La salat, comme on l'a dit au début, c'est la dernière recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté alors qu'il était sur son lit de mort. Vous imaginez, si une personne est sur son lit de mort, qu'est-ce qu'il va citer comme recommandation, comme conseil? Surtout le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui pense au bien de sa communauté. Donc parmi les conseils qu'il a cités, il a cité plusieurs conseils alors qu'il est sur son lit de mort. Mais deux, trois essentiels. Le premier, ne prenez pas mon tombeau comme objet d'adoration. Le deuxième, as-salah, 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 as-salah. Il a répété, la salat, la salat, la salat. Le troisième, il a recommandé d'être bon envers les femmes. C'est trois recommandations alors qu'il est sur son lit de mort. Pour résumer, les choses importantes qu'il ne faut pas délaisser en islam. Serviteur d'Allah, il nous incombe donc de s'efforcer à faire notre salat correctement. Pas seulement en apparence, mais dans sa concentration. Dans le fait de réfléchir au sens de ce que l'on récite. Dans le sens de faire la salat comme il se doit, avec un cœur présent, un esprit présent. Ne pas avoir l'esprit qui voyage à gauche et à droite alors qu'on est en salat. Et pour cela, il y a des causes. Il faut faire ses ablutions correctement. Il faut se préparer à la salat. Et il faut pour les hommes faire salat en groupe à la mosquée quand on n'est pas au travail ou on n'est pas occupé. Mais il faut donner de l'importance à cette salat. Car c'est un des points ou la chose la plus importante après la foi sur laquelle nous allons répondre le jour du jugement dernier. Ou après les deux attestations de foi. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Rabbana atina fi dunya hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما